j'écris donc? Écrire pour moi. J'écris ce qui se dit pas. J'écris ce que j'aimerais qu'ils se disent, ce que j'aimerais lire sur les panneaux publicitaires, ce que j'aimerais entendre dans la rue, dans les conversations, ce que j'aimerais lire dans les livres, dans les revues, dans les journaux. Quand j'écris, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de chef, pas de loi. Il y a juste des affaires que je peux regarder longtemps, aussi longtemps que je veux, là. Puis que je peux décrire dans le détail. Avec autant de mots que je veux, je peux me poser. Il n'y a personne pour me dire quoi faire ou comment le faire. J'écris le monde que je vois pour que les autres puissent le voir aussi. J'essaie de déjouer l'idée que la télépathie, ça se peut pas. Parce que oui, c'est possible de se faire de la visite dans sa tête. C'est comme mettre une petite musique d'ambiance, faire des muffins, puis dire « Venez, venez passer un petit moment dans mes méninges, on est mieux à gang. » Puis si je me sens pas d'attaque, j'ai le luxe de choisir de garder mes histoires d'évasion puis de révolution discrète pour moi. Mais le meilleur, le plus savoureux des feelings, c'est de pitcher mes images en dessous des yeux dolles des gens. Les voir se transformer. J'écris pour sentir cette connexion-là. Les yeux d'après avoir dit quelque chose qu'on n'est pas censé dire, c'est un secret, là. La petite lueur, l'excitation, le petit instant de liberté. Ah! C'est beau chez vous? C'est drôle, je m'y reconnais. Voir l'autre autrement, l'autre qui dit « Ouais, je te feel. Moi, avec, je me sens même. » Ou bien « Aïe, aïe. J'avais jamais vu ça de même, mais c'est fascinant. » Puis, je dis pas que toutes les yeux d'ol s'éclairent à la lueur de mes envolées lyriques. Ben non, évidemment, mais petite lueur, une étincelle, un petit quelque chose. Je me rappelle. Puis souvent, c'est ça qui me donne le courage de replonger la prochaine fois. Mais avant la visite, puis les muffins, puis les histoires de liberté, avant tout ça, écrire, pour moi, c'est de me rappeler que si dehors, tout chavire, tout déchire, tout pète, jusqu'à date, il me reste toujours du papier puis mon crayon.